L'automne. Tout est calme. Apparemment calme. Et le feu couve dans les cœurs et dans les âmes. Quelque part, un poète, Mouloud Mamri, traduit à sa manière son inquiétude, sa révolte et celle de ses frères. Quand trop de sécheresse brûle les cœurs, quand la faim tord trop d'entrailles, quand on verse trop de larmes, quand on bâillonne trop de rêves, c'est comme quand on ajoute bois sur le bûcher. À la fin, il suffit du bout de bois d'un esclave pour faire dans le ciel de Dieu et dans le cœur des hommes le plus énorme incendie. Dans les gorges de Tiranémine, le vieux car de la ligne Biskra-Harris aborde le kilomètre 18. Il est 7 heures du matin. Trois passagers du car sont abattus. Le caïd Hajj Sadok, l'instituteur Guy Monroe et sa femme. S'agit-il d'une nouvelle révolte des Chaouias? Les Aurès, une région de tout temps contaminable par les idées révolutionnaires. Pourtant, la guerre d'Algérie vient de commencer. Dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre, de minuit à 7 heures du matin, des bandes armées ont attaqué en 15 points du territoire. Bilan, 7 morts dont 5 Européens. Des dizaines de millions de dégâts. Il ne s'agit plus d'attentats localisés, mais d'une action soigneusement montée et surtout coordonnée de l'est à l'ouest du pays. À Alger, des bombes artisanales ont explosé à la même heure. Dans l'Algérois, attaques de casernes, incendies de fermes et de récoltes se sont déroulés avec un synchronisme inquiétant. Tout comme en Kabylie, dans les Aurès et dans le Constantinois. On est loin des révoltes locales qui ont jusque-là jalonné l'histoire de l'Algérie coloniale. Il doit y avoir une tête. Il doit y avoir un chef. Mais qui et où? Pour les autorités comme pour les Européens d'Algérie, une seule attitude. La répression. Le Conseil général d'Alger l'exige. L'ordre doit être fermement et rapidement restauré. Les coupables, exemplairement châtiés. François Mauriac prophétise. L'horreur de ce qui va se déchaîner doit être tout de suite adoucie par une offensive contre le chômage, l'ignorance, la misère. Il faut des réformes de structure. Et coûte que coûte, il faut empêcher la police de torturer. Le ministre de l'Intérieur, François Mitterrand, se veut rassurant. Sa mise en garde est pourtant sans équivoque. Il semble bien qu'à travers toute l'Algérie, et spécifiquement dans ces lieux, en direction de Biskra, de Ghensla et de Batna, on ait voulu lever le peuple contre celui qu'on appelait l'étranger ou l'occupant, le français. Et il faut que les populations comprennent qu'elles doivent nous aider ou bien qu'elles s'exposent par la force des choses et malgré notre volonté à souffrir davantage. Et tous ceux qui seront surpris, agissant d'une façon évidente, par le moyen des armes, contre l'ordre, doivent savoir que le risque pour eux est immense. Quelques jours plus tard, il affirme « L'Algérie, c'est la France, et la France ne reconnaîtra pas chez elle d'autre autorité que la sienne. » Personne en Algérie n'a parlé de réforme, encore moins de justice. En métropole, pourtant, on y pense. Le président du Conseil est Pierre Mendès France. Il est de gauche, il est libéral, il est juif. Il est donc suspect aux yeux des quelques familles réactionnaires et des quelques colons aux fortunes immenses qui constituent le lobby algérien. Mendès France est d'autant plus suspect qu'il est en train de régler l'affaire indochinoise, qu'il est sur le point de s'entendre avec les nationalistes tunisiens, qu'il s'inquiète du Maroc, et qu'enfin, pour lutter contre une rébellion naissante, il prépare des réformes que les Algériens attendent depuis toujours. L'appui des députés d'Algérie lui est indispensable. Mais René Meyer, leur leader, déclare « L'Algérie est une province où existe un statut personnel, des crédits particuliers. Elle n'est pas inéluctablement régie par les mêmes règles que la métropole. Nous n'accepterons jamais l'assimilation. » L'Algérie française, ils n'en veulent pas. Et ce sont les représentants des grandes fortunes pieds noirs qui le proclament au nom d'un petit peuple qui ne sait rien, qui ne s'occupe pas de politique, qui suit aveuglément.
réprimer jusqu'à enlever aux nationalistes l'idée même de relever la tête, telle est la seule politique prônée par Alger. Mendès France refuse d'y souscrire. Il veut donner confiance aux Algériens. Il annonce la stricte application du statut de 1947. Indépendance du culte musulman, enseignement de l'arabe, droit de vote pour les femmes algériennes, et surtout, administration des communes mixtes par des conseils élus au suffrage universel. C'est la fin des grands privilèges européens. Une nouvelle fois, le statut est enterré. En quittant le gouvernement, Mendès France prédit: en Afrique du Nord, ou bien ce sera la politique d'entente, ou bien la politique de répression et de force, avec toutes ses horribles conséquences. Son successeur, Edgar Faure, veut lui aussi des réformes pour une Algérie qui ne peut, qui ne doit qu'être française. Depuis 5 quarts de siècle, Français d'origine française et Français musulmans voisinent sur cette terre, collaborent, ils ont connu la grande et noble fraternité des champs de bataille et le sceau des sacrifices communs et sanglants. Nous avons 3 départements français en Algérie. Nous avons ouvert à tous les habitants de l'Algérie les portes de la métropole, les possibilités du travail, le droit de vote, la possibilité de suivre la même voie que nous. Nous ne pouvons pas revenir en arrière et nous ne le ferons pas. Alors qu'est-ce qu'il faut faire là-bas? Il ne s'agit pas là de respecter une nationalité, de faire évoluer une souveraineté, d'aménager une démocratie étrangère. Eh bien, il s'agit de faire l'intégration. Avant d'imposer l'intégration, il faut rétablir l'ordre. Aux prises avec une révolte dont ils ignorent tout, les renforts envoyés dans l'Est algérien n'ont d'autre ressource que de fouiller, ratisser, interroger. L'armée met en garde ces hommes qui, forcément, doivent être en contact avec les maquisards. Ces hommes dont on ne sait pas encore qu'ils vont être l'enjeu principal du conflit. Ces hommes qui ne comprennent pas pourquoi on les traite si injustement. Ces hommes parmi lesquels, faute de trouver des coupables, on trouve des suspects. Dès le 1er novembre, les Djounoud se sont adressés. Peuple algérien, pense à ta situation humiliante de coloniser. Avec le colonialisme, justice, démocratie, égalité ne sont que leurre et du prix. Nous t'appelons à reconquérir ta liberté au prix de ton sang. Se désintéresser de la lutte est un crime. Contrecarrer l'action est une trahison. Vive l'armée de libération. Ils sont moins de 500. Ils n'ont pas 400 armes. Mais une foi inébranlable en leur seul idéal politique. L'indépendance. C'est dans le dédale de la Casbah d'Alger que s'est préparée la flambée du 1er novembre. Quelques hommes l'ont orchestrée avec soin. Tous ont milité au sein de l'organisation spéciale, noyau terroriste démantelé en 1950. Vaincus, ils n'ont pas abandonné. Ils sont 6. 6 responsables d'un mouvement dont le nom commence à courir de bouche en bouche dans le vieux quartier turc. Front de libération nationale. Didouche Mourad, 27 ans, algérois, parents aisés, arrêté en 1950, évadé, clandestin. Larbi Ben Midi, 30 ans, constantinois, théoricien de la révolution, depuis 1950, clandestin. Rabah Bitat, 28 ans, constantinois, famille misérable, condamné à mort en 1950, clandestin. Mostfa Ben Boulaïd, 35 ans, chaouia, ancien adjudant, croix de guerre, médaille militaire, emprisonné en 1950, libéré. Mohamed Boudiaf, 35 ans, constantinois, ancien adjudant, croix de guerre, médaille militaire,
condamné en 1950, clandestin. Krim Belkacem, 32 ans, Kabyle, fils de Caïd, ancien caporal, condamné à mort en 1950, tient le maquis depuis 7 ans. En Italie, à Monte Cassino, en France, en Allemagne, toujours au premier rang. Par dizaines de milliers, Algériens, Tunisiens, Marocains et Pieds Noirs se battent au coude à coude contre le nazisme. Trois des six chefs du 1er novembre sont parmi eux. Ils viennent délivrer une métropole que la plupart ne connaissent pas. Les survivants musulmans qui ont combattu pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes sont résolus à en faire profiter leur pays. Les alliés, c'est la victoire, mais le Maghreb nationaliste bouge. Au Maroc, on apprend la signification du mot Istiklal, indépendance. En Tunisie, les partisans de Habib Bourguiba sont de plus en plus nombreux. On les traque. Leur chef est en exil. En Algérie, les nationalistes réclament plus que l'égalité toujours refusée. À Sétif, ils manifestent en faveur de l'Algérie libre et indépendante. La police arrache leur banderole. Un scout algérien est tué. C'est l'émeute. 104 Européens abattus. La répression est impitoyable. Au moins 15 000 morts. 45 000 affirmera plus tard le FLN. On est tranquille pour 10 ans, disent certains colons. Ils oublient que seule une infime partie de la population s'est révoltée. Pourtant, des voix s'élèvent. Il est nécessaire de rassurer les musulmans en définissant au plus tôt un programme de réforme. Conseille le général Tuber, chargé d'une commission d'enquête. Kateb Yassine, le grand écrivain algérien, dit « À Sétif, se cimenta mon nationalisme. J'avais 16 ans. » Les héros du maréchal Juin, bardés de décorations, retrouvent un pays sans sourire, sans changement. Tout reste comme avant. La vie ancestrale, mais aussi la colonie au cœur d'un monde libéré. L'inégalité de toujours leur devient insupportable. Avec des yeux neufs, ils constatent. L'Algérien cultive une terre biblique, alors que le colon vit dans une Californie de rêve. L'Algérien est sujet français et non citoyen. ...75% des enfants musulmans ne vont pas, n'iront jamais à l'école. L'ouvrier agricole, en Oranie, reçoit du colon un franc par jour pour travailler la terre de ses ancêtres. Un franc par jour, quand il y a du travail. Car c'est là l'une des grandes plaies de l'Algérie coloniale. Un chômage endémique qui attire vers les villes des milliers de fellahs sans qualification. Plus encore que dans le bled, ils y découvrent l'inégalité. La tentation des vitrines, le luxe des beaux quartiers souligne la misère des cités musulmanes et des bidonvilles crasseux. Les mouvements nationalistes de Messali Hadj, le dur, et de Ferhat Abbas, le modéré, y trouvent une clientèle fidèle. Mais que représente-t-elle? 1 400 000 électeurs musulmans votent au deuxième collège. Ils ont moins de poids que les 564 000 Européens qui votent au premier collège. Devant l'urne que l'on truque depuis toujours, une voix européenne vaut trois voix algériennes. Les commentaires de l'époque s'en cachent à peine. En Algérie,
la raison reste toujours celle du plus fort. Pour élire la première assemblée algérienne, l'Algérie tout entière a voté. Avec M. Gazagne, maire d'Alger, 2 millions d'électeurs sont allés aux urnes. Les premiers, citoyens français et notables musulmans, votant pour le premier collège, où les candidats unis par l'idéal républicain et français sont arrivés en tête. Les autres musulmans, votant pour le second collège, où les partisans de Messali et de Ferhat Abbas ont essuyé un échec. Premier résultat, la raison triomphe en Algérie. Puisque la raison triomphe en Algérie, puisqu'un Algérien comme Abderrahmane Farès est président de l'Assemblée algérienne, où il siège aux côtés d'Alain Serini, directeur de l'Écho d'Alger, pourquoi écouterait-on un Ferhat Abbas, qui après avoir réclamé en vain la nationalité française pour ses frères, demande aujourd'hui une république algérienne, démocratique et libérale? Jacques Soustelle, que Mendès France a nommé avant d'être renversé, est confirmé par Edgar Faure à la tête du gouvernement général. Pour les Européens d'Algérie, c'est une catastrophe. Alger fait la gueule aux Juifs, Bensoussa. Tel est le surnom que les groupes réactionnaires, on va les appeler les ultras, donnent au nouveau patron de l'Algérie. C'est que Soustelle vient pour faire des réformes qui tiennent en un mot. Intégration. Le but de la France ne sera atteint que le jour où chaque Algérien jouira des mêmes avantages et exercera les mêmes droits que tout autre Français. Pour Soustelle, en ce jour, la justice passe avant l'ordre. Dans l'Est algérien, la vieille armée d'Afrique est déroutée par la guérilla. Des obus par milliers ne suffisent pas à anéantir des maquis insaisissables. Même les parachutistes, pourtant forts de l'expérience indochinoise, font les frais du harcèlement d'un ennemi invisible. Pourtant, les maquisards n'ont pas l'appui de la population. L'état d'urgence voté par l'Assemblée nationale permet d'éloigner les éléments jugés subversifs. L'autorité locale en profite pour récompenser les populations fidèles et pour montrer aux autres qu'il va falloir choisir entre ces rebelles sans moyens et la France. Les maquisards isolés ont compris la menace. Faute d'autres moyens, ils emploient la terreur. Caïd, garde champêtre, Goumier sont abattus. Le FLN ordonne le boycott du tabac, de l'alcool, des jeux. Le peuple va suivre et se priver pour la cause. Celui qui refusera l'interdit sera mutilé. Tous ceux qui ne sont pas avec nous sont contre nous. Telle est la devise des chefs des maquis locaux. Ils forment le premier noyau de cette armée de libération nationale rêvée lors du déclenchement de la révolution. Les 500 hommes du 1er novembre sont maintenant des milliers. L'Est algérien devient le refuge, le camp d'entraînement, la base de départ de coups de main éclair de cette rébellion qui devient révolution. Devant l'insécurité qui gagne le pays, le commandant en chef, le général Cherrière, dispose de quelques 100 000 hommes et d'une méthode qu'il croit inégalable, le ratissage. Ces premiers prisonniers révèlent le péril. Ce sont de simples fellahs, des bergers, des cultivateurs, des petits commerçants qui se sont révoltés et non des agents communistes formés à l'étranger, ni des fanatiques religieux qui pratiquent la guerre sainte. Ils viennent grossir les maquis du 1er novembre. Ils sont issus du peuple et le peuple les connaît. Cette évidence va guider la politique du gouverneur et du commandant en chef qui inaugure le principe de la responsabilité collective. La population doit non seulement refuser son aide aux maquisards, mais les dénoncer. Le Constantinois fait les frais de cette politique. Le général Cherrière écrit au commandant de la zone: je vous délègue tout pouvoir pour décider, en fonction des circonstances, de l'emploi de mitrailleuses, roquettes et bombes sur les bandes des nouvelles zones de rébellion. La responsabilité collective doit être réglée vigoureusement.
Les autorités françaises tiennent le même langage que les hommes du FLN. Qui n'est pas avec nous est contre nous. L'engrenage est en marche. La haine naît de l'injustice et de l'humiliation. Le drame peut commencer. La révolution est exsangue. Pour lutter contre la répression victorieuse, les maquisards décident de lancer une partie du peuple contre les Européens et l'armée. Leur chef, Zirout Youssef, dit « Même si la moitié de la population est décimée, la révolution y gagnera car l'Algérie bougera. Il faut faire peur. » Poussés par le FLN, les fellahs les plus touchés par la responsabilité collective vont suivre ses ordres. Ils choisissent le lieu, Philippeville, et la date, 20 août 1955. Bilan, 71 Européens massacrés. Au même instant, au Maroc, les nationalistes ont choisi la même date pour dresser la foule contre les Européens. En quelques heures, la répression s'organise, sans distinction. Vincent Monteil, le libéral, ancien conseiller de Jacques Soustelle, écrit « Depuis l'abominable règlement de compte du 20 août, les frénétiques des deux camps n'admettent pour leur adversaire aucune explication, aucune excuse. Alors que la vraie raison d'une pareille explosion de haine n'est autre que le choc en retour des exactions commises et des humiliations subies. Le moment est venu où plus personne ne peut les supporter. Faute de pouvoir imposer l'égalité complète entre Français et Algériens, refusée par les ultras, et maintenant par la majorité des musulmans, il ne reste à Soustelle que la force brutale. Cette politique de répression a un résultat inestimable pour le FLN. Rapprocher l'ensemble de la population de ces maquisards pour lesquels elle vient de payer si durement. Le peuple du Constantinois, jusque-là circonspect à l'égard du FLN, bascule définitivement. Désormais et pour 7 ans, cette zone sera la plus dure de toute l'Algérie. Le fossé entre Algériens et Européens est creusé. Le sang versé le 20 août le rend infranchissable. Les nouvelles élections souhaitées par Edgar Faure provoquent le départ de Soustelle. Il n'a réussi à imposer ni l'intégration, ni son collège unique inacceptable.
C'est à l'homme d'ordre que la foule européenne d'Alger, menée par un cafetier poujadiste, Jo Ortiz, manifeste sa reconnaissance. On le lui enlève, elle ne l'oubliera jamais. En France, les élections législatives se déroulent dans une extrême confusion qui reflète celle de l'opinion publique. Aucune majorité ne se révèle à l'Assemblée où il faut compter avec les 25% des voix communistes et les 11% des poujadistes qui font une entrée fracassante dans l'arène politique. Un gouvernement de front républicain voit le jour. Guy Mollet, secrétaire général de la SFIO, le préside. Pierre Mendès France y figure comme ministre d'État. Le général Catroux est nommé ministre résident en Algérie. Grand chancelier de la Légion d'honneur, collaborateur de Lyautey, héros de la France libre aux côtés du général de Gaulle. Nul n'a plus que lui qualité pour défendre l'honneur de la patrie et ses intérêts supérieurs. Le gouvernement ne choisira pas à l'avance une solution type du problème algérien. Il ne se laissera pas lier par des schémas théoriques. Par contre, il a nettement fixé ses objectifs et les limites qu'il ne dépassera pas. C'est d'abord reconnaître et respecter la personnalité algérienne et réaliser l'égalité politique totale de tous les habitants d'Algérie. Lundi prochain, je me rendrai moi-même à Alger pour étudier sur place la situation. Menée par les poujadistes de Jo Ortiz et par le comité d'entente des anciens combattants, la foule décide d'empêcher le Front républicain et le général Catroux de brader l'Algérie en imposant le collège unique et l'égalité des droits entre Européens et Algériens. Une pluie de tomates et de mottes de terre salue le cortège officiel. Le maintien du général Catroux signifierait l'effondrement de l'Algérie, écrit l'Écho d'Alger. Les pressions des ultras seront sans efficacité, réplique la presse socialiste. Au soir du 6 février, Guy Mollet doit choisir. Catroux démissionne. Les ultras triomphent. C'en est fait de l'autorité du gouvernement. C'est Robert Lacoste qui, par fidélité à Guy Mollet, accepte de remplacer le général Catroux. Républicain, socialiste, syndicaliste, il va devoir imposer des réformes que le gouvernement veut appliquer à l'Algérie. Sa rondeur, sa vivacité toute méditerranéenne, sa fermeté aussi, doivent y parvenir. Il veut d'abord connaître les Européens d'Algérie, ces pieds noirs tout surpris d'avoir obtenu par leur manifestation de mauvaise humeur une telle victoire sur le pouvoir établi. En 1956, ils sont 1 million. Descendants des premiers colons militaires de Bugeaud et des étrangers attirés à la colonie par les concessions gratuites de la monarchie de Juillet. Ils sont aussi les fils des vaincus de la révolution de 48, des exilés politiques de Napoléon III, des communards déportés en 71, des Italiens, Maltais, Mahonnais chassés de leur pays par la misère, des Espagnols de 1880, mais aussi de 1936, ceux qui ont préféré l'exil au régime franquiste. Beaucoup d'entre eux ont en commun une vie manquée derrière eux. Depuis la loi de 1889, les enfants des étrangers sont français, de même que ceux des 35 000 juifs algériens arrachés en 1870 au statut de l'indigénat. Par la vertu de l'exil, ces citoyens de seconde zone sont devenus des nationaux de première catégorie, dont la seule idéologie est un attachement sans bornes à la France nourricière. En Algérie, ils ont trouvé une patrie qu'ils ont mise en valeur. Ils forment une communauté de pionniers pour laquelle le paternalisme autoritaire représente un idéal de justice. L'arabe, lui, est un figurant dont on fait le bonheur. Alors on ne s'en soucie pas. Mademoiselle, est-ce que vous avez des camarades musulmans ? Non. Si vous ne sortez pas avec eux, vous n'allez pas danser. Jamais. Est-ce que vous trouveriez normal d'épouser un musulman ? Oh non, jamais. Devant le développement du mouvement insurrectionnel algérien, les Européens ressentent la vieille angoisse des minorités dirigeantes. L'abbé Scotto, curé de Bab el-Oued, sait dire leurs craintes avec les mots qui les touchent. Voyez, quelle est la position des gens de Bab el-Oued, ou de ce qu'on appelle les pieds noirs ? Leur terre, celle où ils sont nés, où ils ont leur mort, où ils ont leur maison, où ils ont leur pain, c'est l'Algérie. C'est la terre algérienne.
ce qu'ils ont appris à considérer comme leur patrie et de tout temps, c'est la France. De son côté, le nouveau président du Conseil les assure de sa bienveillante compréhension. Pour eux, l'Algérie, c'est le plus beau pays du monde. C'est leur petite patrie, celle à laquelle on tient le plus. Hors d'Algérie, ils ne pourraient vivre. Ils ne voient la France qu'à travers leur Algérie. Et cette Algérie, des milliers de jeunes Français la découvrent. Guy Mollet a décidé du rappel de plusieurs classes disponibles, non sans provoquer de multiples manifestations de gauche. Chacun est libre d'expliquer sa conception politique générale, comme ses conceptions particulières, même sur l'Algérie. Mais chacun sera puni pour les actes qu'il commet. Je pense à ceux qui cherchent à égarer nos jeunes rappelés, qui l'ont cherché en vain d'ailleurs, ou à ceux qui font encore l'apologie du crime. Je n'interdirai donc pas, je prends un exemple précis, les réunions communistes, pas plus que les réunions poujadistes. J'interdirai bien sûr les cortèges dans la rue, comme les manifestations dans les gares. Fort des pouvoirs spéciaux votés par l'Assemblée, Guy Mollet entend mener une politique de réforme qui ne soit pas séparée de l'effort militaire indispensable. Mendès France démissionne du gouvernement. Le front républicain élu en promettant la paix fait la guerre. Lacoste et le commandant en chef, le général Lorillot, veulent 400 000 hommes. Voilà déjà 70 000 rappelés. Ton tour à toi aussi viendra. Veux-tu qu'un ancien d'Algérie te dise sans façon la vie qu'il a vécue là-bas pendant près de 20 mois ? Peut-être toi aussi débarqueras-tu à Alger, mais sans doute n'auras-tu guère le temps de visiter la ville et n'apercevras-tu que la gare et les rampes qui des quais montent vers la ville grouillante de vie. Bien vite, un nouveau convoi t'emportera vers l'intérieur, vers l'inconnu. Quelle route prendras-tu ? Une génération de jeunes Français apprend la guerre. Après la grande guerre du grand-père, la drôle de guerre du père, voici la sale guerre du fils. La guerre d'Algérie qui ne dira jamais son nom. Les Européens du bled sont impressionnés par ces renforts, par ce matériel. Cette fois, ils sont protégés. Les Bidas découvrent ce que sera leur vie pendant 28 ou 32 mois. Ici sous-lieutenant Delaille, de la 2e compagnie du GT 543. Je suis très heureux de l'occasion qui m'est offerte. Bonjour à toute la famille, et à tous les amis du Havre. Amis, et particulièrement ma fiancée Eliane. Ainsi que ma fiancée chérie. Bien le bonjour aux amis. J'embrasse bien fort ma petite femme chérie. Je n'oublie pas non plus mes petites camarades. Et aussi mes meilleurs amis, monsieur et madame Latep. J'espère avoir bientôt la quille pour être de retour en France. Il est midi, je quitte ma cuisine pour venir embrasser mes parents. Le soleil brille. Le moral est bon, je vous embrasse tous affectueusement. Tout va bien et j'espère bientôt vous revoir dans la quille. Je profite de l'occasion inattendue qui m'est offerte pour transmettre mes meilleurs baisers à mes parents et à Perpignan des baisers qui n'ont pas tout à fait le même sens. Mais dès la nuit tombée, le FLN est maître du terrain. Le contingent découvre la guérilla, l'embuscade, la longue attente dans l'ombre où l'on ne sait si l'on est chasseur ou chassé. Bougez pas, ne tirez pas. Qu'est-ce qui a tiré là? Qu'est-ce qui a tiré? C'est que ce merdier là, vous avez vu quelque chose? Où est-ce qu'ils sont là, derrière cet arbre? C'est cette merde là, vous les avez vus derrière l'arbre? Pourquoi entraîner les hommes puisqu'il n'y a pas la guerre? De simples opérations de police contre les bandits en espadrille. Pourtant, les Français s'interrogent. La question est toujours la même, quand mon fils, mon cousin, mon frère, mon fiancé reviendra-t-il? Oui, comme je les comprends, c'est une préoccupation que n'ont pas seulement les familles, mais qu'ont aussi les hommes qui, à l'heure actuelle, ont les responsabilités du gouvernement. À partir du 1er juillet prochain, nous organisons
le retour à une présence effective de 24 mois au maximum. Est-ce que vous voulez dire, monsieur le président, que le service militaire durera 24 mois? Je vous remercie de m'amener à faire cette précision. Et de bons esprits ont prétendu que nous voulions porter de 18 mois à 24 mois la durée du service militaire. Il n'en est rien. Le service militaire légal est de 18 mois et restera 18 mois. Mais actuellement, avec un service de 18 mois, des hommes sont maintenus au-delà de cette durée de 18 mois, les uns pendant 6, 9, certains même 12 mois, c'est-à-dire un total de 30 mois. À Palestro, le 18 mai 1956, une patrouille du 9e régiment d'infanterie tombe dans une embuscade. La métropole stupéfaite découvre alors l'ampleur de la guerre d'Algérie. Le gouvernement, les gouvernements successifs, cacheront soigneusement les dizaines de palestro qui se produiront tout au long du conflit. Mais celui-là va justifier les mesures prises pour l'Algérie. Dans les maquis, l'armée de libération nationale prend corps. Les 500 du 1er novembre sont maintenant plus de 15 000. Des armes parviennent de l'extérieur, de Tunisie et du Maroc indépendants depuis quelques semaines. C'en est fini des petites embuscades tendues à la tombée du jour. Désormais, c'est par unité entière, les Katibas, que l'ALN attaque l'armée française. Un commando terroriste incendie le garage des facultés au cœur du centre européen. La ville, qui jusque-là n'a connu que les règlements de compte entre musulmans, selon la formule consacrée, découvre pour la première fois le visage tragique de la guérilla urbaine. J'ai eu peur, moi. Les titres, elles ont vibré. Seule une répression impitoyable peut juguler l'offensive FLN. Il n'y a qu'à guillotiner les Fellaga condamnés à mort. Les murs de la prison de Barberousse résonnent des exigences des journaux ultra d'Alger qui orchestrent la grande peur des petits blancs. Lacoste résiste. Il dit : si je veux imposer mes réformes, je ne dois céder ni aux menaces des Européens, ni aux représailles du FLN. Pourtant, il cède aux Européens qui exigent un châtiment exemplaire et prompt. Le 19 mai 1956, à l'aube, deux condamnés, Zabana et Ferage, sont exécutés. Le 21 juin, 49 Européens tombent sous les balles des terroristes FLN. La vie continue. 10 août, la première bombe éclate à Alger. Rue de Thèbes, dans la Casbah. Elle est posée par des Européens, dont un policier. 70 morts, dont 9 enfants. Les contre-terroristes poursuivent ainsi une politique amorcée au lendemain du 1er novembre 1954. 30 septembre, 18h30. Deux bombes explosent au Milk Bar et à la cafétéria au cœur de la ville européenne. Elles sont posées par des jeunes filles des commandos de Yassef Saadi. 2 morts, 72 blessés, dont 7 enfants. Alger apprend la peur et la haine et la vengeance aveugle. Pendant 15 jours dans le cadre sauvage de la haute vallée de la Soumam,
13 responsables FLN, protégés par un millier de maquisards placés sous les ordres du chef kabyle Amirouche, ont travaillé à l'établissement de la plateforme politique qui manquait jusque-là. Le Congrès consacre l'importance essentielle des commissaires politiques et conclut à la primauté du politique sur le militaire et de l'intérieur sur l'extérieur. C'est la révolution dans la révolution. Les fils de la Toussaint qui ont déclenché la rébellion ont été décimés. Rababitat arrêté, Ben Boulaïd et Didouche Mourad tués au maquis, Boudiaf fait la liaison avec le Caire. Reste Krim et Ben Mehdi. Avec de nouveaux venus, Saad Dalab, ancien partisan de Messali Hadj, Ben Retta, pharmacien à Blida, et Aban Ramdan, véritable tête politique du Front de Libération Nationale, ils forment le Comité de Coordination et d'Exécution, CCE, qui va désormais diriger la révolution. Les membres du CCE déclarent « La révolution réaffirme son indépendance. Elle n'est inféodée ni au Caire, ni à Londres, ni à Moscou, ni à Washington. Pour nous, un seul but, l'indépendance. Pour y parvenir, tous les moyens. » Mohamed Rider, Aït Ahmed et Ben Bella représentent le FLN au Caire. Ben Bella, qui compte sur l'aide de Nasser pour imposer son autorité et diriger la révolution de l'extérieur, refuse de reconnaître le CCE. À la conférence afro-asiatique de Bandung, Aït Ahmed et Mohamed Yazid ont été admis à la commission politique aux côtés des grands, Nehru, Nasser et Chou En Lai. Pour eux, la motion finale est une victoire. Elle reconnaît le FLN comme représentant unique du nationalisme algérien, ainsi que le droit du peuple algérien à disposer de lui-même et à être indépendant. À l'ONU, une motion afro-asiatique tente à inscrire la question algérienne à l'ordre du jour. Antoine Pinet, ministre des Affaires étrangères, proteste vivement au nom de la France. Mon gouvernement refuse une ingérence des Nations Unies qui serait faite au mépris des dispositions de la Charte. Il considérera comme non avenu toute recommandation que l'Assemblée viendrait à faire sur ce sujet. L'Assemblée des Nations Unies ayant passé outre, la délégation française quitte la salle des séances. La révolution algérienne a fait son entrée sur la scène politique internationale. Elle ne la quittera plus. Le 16 octobre, le yacht Saint-Briavels, rebaptisé Athos, est arraisonné au large d'Oran en provenance du Caire. 2500 fusils, 330 mitraillettes et fusils mitrailleurs, plus d'un million de cartouches. Au total, 100 tonnes d'armes. Le Maroc et la Tunisie apportent à leur tour une aide essentielle à la révolution algérienne. Le sultan Mohamed V, Habib Bourguiba et les délégués du FLN tiennent à Tunis une réunion au sommet. Nous devons alerter la conscience universelle et la conscience du peuple français pour qu'il soit rapidement mis fin au conflit qui ensanglante l'Algérie. Mais l'avion mis à la disposition de Ben Bella et de ses compagnons est arraisonné entre les Baléares et Tunis. L'audace de l'opération rassure une opinion publique inquiète, dans sa majorité, des concessions faites à la Tunisie et au Maroc. Cette fois, la France a osé. Pour Robert Lacoste, c'est le dernier quart d'heure. Les 5 chefs rebelles capturés l'ont tour à tour reconnu. La rébellion est condamnée. La révolte algérienne privée de ses chefs extérieurs doit s'effondrer. D'autant que son principal soutien, le colonel Nasser, fait face à une offensive occidentale qui doit l'éliminer de la scène politique. Pour protester contre le refus américain de financer le barrage d'Assouan, Gamal Abdel Nasser déclare « La compagnie universelle du canal de Suez n'existe plus depuis aujourd'hui. Nous nationalisons cette société au profit du peuple. Le canal est désormais à nous, bien à nous. » C'est la crise. Fin octobre, elle rebondit avec l'offensive de l'armée israélienne contre l'armée égyptienne. La France et la Grande-Bretagne décident de soutenir Israël contre l'Égypte. Pour Guimelet, intervenir contre Nasser, c'est garantir la liberté de passage sur le canal. C'est aussi régler son compte au principal fournisseur du FLN. Les parachutistes d'Algérie poursuivent contre Nasser une guerre commencée dans les Aurès. En 48 heures, la déroute égyptienne est complète. La 10e division parachutiste du général Massu a la victoire au bout de ses mitraillettes quand éclate l'ultimatum. Le gouvernement soviétique est résolu à recourir à la force pour rétablir la paix en Orient.
Les États-Unis, qui redoutent un conflit généralisé, font pression sur les forces franco-britanniques. C'est le cessez-le-feu. Les paras embarquent pour Alger. On leur a volé leur victoire. On les a empêchés de détruire le berceau du FLN. Leurs colonels ne sont pas prêts de l'oublier. Pour les groupements extrémistes européens, Salan est l'homme qui va soutenir les réformes de Lacoste. C'est le bradeur de l'Indochine, nommé par Guy Mollet pour liquider l'Algérie. Leurs hommes de main dirigent contre le nouveau commandant en chef un attentat au bazooka. Salan échappe à la mort. On parle de complot, de rapports étroits entre les ultras et l'opposition gaulliste au gouvernement de Guy Mollet. Rien ne sera prouvé. C'est une ville en guerre que découvre le nouveau commandant en chef. Lacoste, désemparé, cède ses pouvoirs de police au général Massu, commandant la 10e division parachutiste, et à ses officiers, dont le colonel Bijard. Les paras, troupes d'élite de l'armée d'Algérie, doivent faire merveille dans la bataille qui s'engage à Alger. Mettez la révolution dans la rue et vous la verrez reprise et portée par des millions d'hommes. Le général Massu avertit. Je n'admettrai pas qu'une minorité dehors la loi ne fasse régner la terreur et impose sa volonté à l'immense majorité des bons citoyens. Alger sera donc entouré, compartimenté, étroitement contrôlé, c'est-à-dire protégé et assaini. Mais l'ordre de grève générale du FLN est maintenu pour le 28 janvier, à l'heure où à l'ONU s'ouvrira le débat sur l'Algérie. Chaque habitant de la Casbah se sent responsable de sa réussite. C'est le seul moyen d'alerter l'opinion publique internationale. De la musique et des slogans. Les paras de la 10e DP appliquent les règles d'action psychologique apprises en Indochine. Habitants d'Alger, montrez que vous voulez vivre et non mourir de faim. Montrez que votre volonté de paix est plus forte que la volonté de guerre du FLN. Montrez que votre volonté de paix est plus forte que la volonté de guerre du FLN. Les commerçants sont réquisitionnés. La grève est matée. Reste à détruire l'organisation FLN à Alger. On arrête, on constitue des fichiers, on interroge. Et les paras obtiennent ce que la police seule n'avait jamais obtenu. L'organigramme complet de la toile d'araignée que le FLN a tissé sur Alger. La recherche se concentre sur deux hommes. Yassef Saadi, chef des réseaux terroristes d'Alger, et Larbi Ben Midi, l'un des chefs historiques du 1er novembre 1954, théoricien de la révolution. Ben Midi est pris le premier, en compagnie de Hamida, responsable des liaisons. Devant Bijar qui l'a arrêté, Ben Midi reconnaît l'échec local de la grève insurrectionnelle. Mais il constate sans se départir d'un certain sourire... La guerre couvre désormais l'ensemble du territoire algérien. Elle marque de ses profondes empreintes l'existence de chacun. Et il ajoute... En Algérie, vous devez faire trop de choses pour pouvoir gagner. Pour Ben Midi qui sera exécuté, la guerre est finie. Ben Midi disparu, le combat se poursuit. Yassef Saadi fait exploser une bombe au casino de la Corniche. On relève 8 morts et 80 blessés parmi les danseurs.
C'est le dernier d'une longue suite d'attentats qui ont ensanglanté Alger depuis le début de la bataille. La répression se fait plus violente que jamais. Tout Algérien est un suspect, terroriste en puissance. La recherche du renseignement doit aboutir à tout prix. Pour y parvenir, tous les moyens sont bons, y compris la torture. Guy Mollet s'en défend. S'il était vrai qu'il y ait des brutalités organisées par un individu ou deux, le calme rétabli dans les deux jours, trois jours qui suivent une arrestation, que pour faire parler un coupable, il soit torturé, ce serait intolérable. C'est pas concevable, même si ça ne se produit qu'une fois. Il y a des méthodes que les autres emploient, que nos adversaires emploient. Mais même dans ce cas-là, on n'a pas le droit de leur répondre par la même méthode. La France, c'est dans le monde le pays des droits de l'homme. Le gouvernement proteste de sa bonne foi, mais ne donne aucune instruction au Léopard chargé des enquêtes. Dans un ordre du jour, Bijard dit à ses hommes... Les directives concernant cette guerre, les ordres écrits, n'existent pas, et pour cause. Peu importe. Vous agirez comme en janvier, avec cœur et conscience, proprement. Vous interrogerez durement les vrais coupables, avec les moyens bien connus qui nous répugnent. La torture est érigée en système. L'engrenage de la guerre subversive est en marche. Chaque renseignement, chaque aveu est exploité immédiatement. Il n'y a plus de loi, plus de protection des individus, plus d'inculpation régulière. Les résultats sont là. L'organisation FLN tombe sous les coups de boutoir des parachutistes. Le 24 septembre 1957, la cache de Yassef Saadi, devenu ennemi public numéro 1, est repérée. Le dernier chef FLN d'Alger est arrêté en compagnie de Zohra Drif, sa secrétaire, qui a posé l'une des premières bombes de la bataille d'Alger. Reste encore le lieutenant de Yassef, Ali Lapointe. Le 8 octobre, pris au piège de sa cage de la Casbah, il refuse de se rendre. Au plastique, les parachutistes du premier REP font sauter la dalle qui protège sa retraite. Les bombes d'Ali Lapointe ont explosé en série. Outre les occupants de la cache, 17 musulmans, dont 4 enfants, trouvent la mort. La victoire des parachutistes est complète. La bataille d'Alger est terminée. La sécurité et l'ordre rétablis. Mais il n'est pas une famille musulmane qui n'ait été touchée. Des centaines de morts et de disparus. Des milliers d'internés. Des ouvriers, des commerçants, des dockers, des chômeurs. Mais aussi des bourgeois, des médecins, des avocats, des étudiants peuplent les camps d'hébergement. La population algérienne est désormais soudée. Il n'y aura jamais plus de troisième force avec qui discuter. Alger vaincu, c'est au tour des Douars et du Djebel de céder. Lacoste et Salan, le civil et le militaire, approuvent la politique de pacification qui se résume en deux mots, détruire et construire. Détruire un FLN qui a à peine 3 ans et qui rassemble le peuple. Construire une Algérie française qui n'existe pas. S'implanter,
montrer sa force, mais aussi son désir d'aider la population. Tel est le lot des officiers des sections administratives spéciales, les SAS. Ils ont découvert la misère et l'exploitation dans lesquelles vit la population musulmane, négligée par l'administration. Tout en abattant le FLN, ils vont instaurer un ordre nouveau. Donner du travail, de l'argent, des logements. Après 127 ans de colonisation et 3 ans de révolution, n'est-ce pas un peu tard? C'est l'officier SAS qui joue le rôle de maire, d'instituteur, d'administrateur, d'ingénieur des ponts et chaussées. Mais aussi d'officier de renseignement. Ceci justifie cela. L'armée a bonne conscience. Elle fait sienne la directive générale numéro 4 de Robert Lacoste qui dit « Nous resterons en Algérie. Non parce que nous sommes les plus forts, mais parce que nous avons raison. » Il n'y a plus d'assemblée algérienne, il n'y a plus de conseils généraux, il n'y a plus de conseils municipaux, il n'y a plus d'administration civile. À tous les échelons, il n'y a que l'armée. L'armée bonne à tout faire de l'Algérie. L'armée qui saura tout faire, même gouverner. L'armée n'oublie pas la guerre, mais à la guerre subversive du FLN, elle oppose la guerre psychologique importée d'Indochine. L'enjeu, c'est le peuple. Les populations des vastes zones contaminées par les maquisards sont regroupés dans des villages créés de toutes pièces et où nul ne peut apporter l'aide indispensable à la vie des rebelles. Les anciennes mechtas sont détruites. Le plan de pacification prévoit amener la population à collaborer étroitement avec l'armée par le renseignement, l'autodéfense et la constitution des harkis ou unités supplétives combattant avec les forces régulières. Ils vont être plus de 60 000 harkis. L'objectif est là, désigné par l'armée. Ce FLN qui n'apporte que la mort, la terreur, la désolation. Désormais, l'armée qui fait tout empêchera tout futur gouvernement de réserver à l'Algérie un avenir qui ne soit pas exclusivement français, sous peine de se renier elle-même. Des centaines de milliers d'Algériens ont préféré l'exil au village de regroupement. Au Maroc, en Tunisie, ils s'entassent dans les camps du Croissant Rouge. Les hommes valides rejoignent l'ALN. Les vieillards, les femmes et les enfants sont regroupés à Nador, à Gardimaou, à Sakiet, aux abords des camps du FLN. En Algérie, les maquisards entreprennent la lutte contre la pacification et les ralliements de villages. À Mechta Kasbah, près de Melouza, sur l'initiative d'un chef local, un commando s'empare du village fidèle et y massacre toute la population mâle. 300 morts. Lagdar Ben Tobal et Krim Belkacem ont fui l'Algérie. L'échec tactique de la bataille d'Alger a obligé les chefs de la révolution à diriger le combat de l'extérieur. À Tunis, le gouvernement de M. Bourguiba accueille les membres du CCE qui font leur entrée dans la diplomatie internationale. Mais derrière les réceptions officielles, derrière l'implantation des bureaux du FLN ouverts aux journalistes mondiaux, se dissimule une crise grave. Aux frontières, les bandes FLN ne reconnaissent aucun pouvoir central. Des 9 chefs historiques du 1er novembre 1954, seul Krim Belkacem est sain et sauf. Plus grave encore, au sein du CCE, Aban Ramdan, le politique, reproche aux colonels du FLN leur féodalité. Gênant, il va être assassiné par ses amis d'hier. Trois colonels vont diriger la révolution. Krim Belkacem, Ben Tobal, Boussouf. Leur premier souci est d'unifier ces bandes disparates groupées aux frontières. Ils leur imposent une discipline, un uniforme, un entraînement. Les armes affluent.
une nouvelle bataille peut être livrée, celle des frontières. Pour l'affronter, il faut des hommes bien équipés, bien armés. Ils sont 16 000. Mais c'est par groupe de 100 à 150 que Krim Belkacem, responsable de la LN, va les lancer contre la nouvelle arme mise au point par les Français, le barrage. De la cale sur la Méditerranée à Négrine dans les sables du désert, le barrage de la mort déroule ses 320 km de barbelés électrifiés. Un poste de repérage tous les 15 km, des radars, des canons, des mortiers, des mines, 2, 3, 5 et même 7 000 volts dans les barbelés, jusqu'à 80 000 hommes sur le qui-vive. Pour les Français, il faut rendre la frontière algéro-tunisienne imperméable, transformer l'Algérie en champ clos. Pour éviter l'asphyxie des maquis, les Djounouds doivent passer le barrage. La tactique est simple. Un commando aborde la frontière et accroche les unités françaises à l'affût. Profitant de la diversion, un autre commando s'infiltre dans les barbelés et fait parvenir en territoire algérien les hommes, les armes, les munitions qui manquent aux chefs des vilayas de l'intérieur. Chaque jour, plusieurs caravanes se lancent à l'assaut de la frontière. Chaque homme porte son arme, ses munitions, ses vivres, et des armes, des munitions, des vivres pour le frère qui l'attend à l'intérieur. Devant lui, 200 ou 300 km de pistes dangereuses, et le barrage qu'il ne faut affronter qu'au coucher du soleil. Cela s'en passait. Mais la bataille des frontières fait de terribles ravages dans les rangs de l'ALN. En quelques semaines, 10 000 tués, des milliers de prisonniers, des centaines de morts du côté français. Pour la première fois depuis le 1er novembre 1954, le commandant en chef en Algérie peut envisager une victoire militaire, sur le papier. Car sur le terrain, chaque caravane qui passe, chaque commando qui atteint son objectif, ne livre pas simplement des armes, des vivres, des munitions. Il apporte l'espoir. L'état-major français, tout le mal vient désormais des frontières, de la prétendue neutralité de Bourguiba. Un avion de chasse français se fait allumer par une arme automatique située en territoire tunisien. Le lendemain, 11 B-26, 6 Corsaires, 8 Mistral attaquent la base FLN de Sakiet. Mais autour de la base, il y a un village civil. C'est lui qui est atteint. 75 morts, plus de 80 blessés. Droit de légitime défense, dit M. Chaban-Delmas, ministre de la Défense nationale du nouveau gouvernement Félix Gaillard. Mais cette fois, l'incident de frontière est soumis aux instances internationales. De toutes parts, l'intervention militaire française est condamnée. Foster Dulles, jusque-là neutre, déclare « Les États-Unis estiment que l'affaire algérienne est une question intérieure française. Mais ils ne s'arrêteront pas à des considérations juridiques.
Si l'examen de ce problème au sein de l'organisation atlantique ou d'une autre organisation devait amener une amélioration de la situation. Yes, Portugal. No. No, Romania. Yes. Yes, Spain. No. No, Sweden. Yes. Yes, Tunisia. Oui. Yes, Turkey. Abstain. Abstain. Union of South Africa. No. No. United, USSR. Yes. Yes. United Arab Republic. Yes. Yes. United Kingdom. No. No. United States. No. No. Uruguay. Abstention. Abstain. Venezuela. Si. Yes. Yougoslavia. Yes. À l'ONU, le représentant tunisien, M. Mongislim, veut porter l'affaire devant le Conseil de sécurité. Les États-Unis proposent conjointement avec la Grande-Bretagne leurs bons offices pour le règlement du différend franco-tunisien. Robert Murphy et Harold Billet tentent l'impossible. Étudier une forme de contrôle de la frontière algéro-tunisienne acceptable par Bourguiba et Félix Gaillard. À Paris, à l'Assemblée nationale, le gouvernement Gaillard, jugé trop conciliant, est renversé le 15 avril. Alger pavoise. La chute de Gaillard, c'est le rejet des bons offices. L'écho d'Alger se félicite de ce refus de poursuivre une politique d'abandon. Le comité d'entente des anciens combattants et les amis de M. Soustel jurent de défendre l'Algérie française en tout lieu et toutes circonstances. Ils disent « Nous exigeons la constitution d'un gouvernement de salut public, seul capable de restaurer la grandeur et l'indépendance de la France. » Ce 26 avril, sur l'immense plateau des Glières, lieu géométrique de toutes les manifestations politiques algéroises, la population européenne acclamait son angoisse et son refus de ses concessions à l'ennemi que sont les bons offices, la loi cadre de Lacoste et son collège unique. Après le succès du 26 avril, une nouvelle manifestation est nécessaire. Le 9 mai, en représailles à l'exécution de terroristes FLN, trois prisonniers français sont fusillés en Tunisie. La population algéroise indignée est appelée à manifester le 13 mai. Pour beaucoup, c'est l'occasion rêvée de sauver l'Algérie française, mais aussi d'abattre le régime. Deux tendances vont s'y employer. Les activistes du groupe des Sept, dont Pierre Lagaillard, leader des étudiants, est le plus actif. Il souhaite un régime autoritaire et corporatiste à la Salazar. Et les gaullistes de Léon Delbecq, qui, en liaison avec Chaban Delmas et Soustelle, préparent le retour du général de Gaulle. Pressentant l'émeute, Robert Lacoste a regagné Paris. Le pouvoir est vacant. Raoul Salan, commandant en chef, Edmond Jouot, patron de l'aviation, et quelques régiments de parachutistes deviennent les arbitres de la course au pouvoir. Je vous demande, sur toutes les places, partout, à l'instant même, observez, s'il vous plaît, une minute de silence. Gaillard frappe le premier. À 18h, il lance ses troupes à l'assaut du GG. Le gouvernement général, symbole du pouvoir parisien, doit tomber. À 18h30, le GG est pris. Alger a montré à Paris sa détermination de garder l'Algérie française. La Gaillarde a gagné la première manche. Les gaullistes sont coiffés sur le poteau. Dans un Paris sans gouvernement, les divisions s'accentuent. Jacques Soustel, qui a approuvé sans réserve le coup du 13 mai, est surveillé par la police. Des organisations d'extrême droite lancent quelques manifestants sur les Champs-Élysées.
les syndicats lancent des appels au calme et à la vigilance républicaine. Le peuple, aussi divisé que ses leaders, attend. Au Palais Bourbon, devant la menace venue d'Alger, les députés ont investi Pierre Pflimlin. La crise ministérielle a duré 28 jours. Le nouveau président du Conseil déclare « Moi-même et les hommes qui vont m'entourer sommes incapables d'avoir dans le cœur la tentation d'abandonner l'Algérie. » Alger, l'armée, devenue l'arbitre, canalise le mouvement populaire. Le général Salan, qui a reçu du président du Conseil une délégation de pouvoir, annonce « Je prends provisoirement en main les destinées de l'Algérie française. Je vous demande de faire confiance à l'armée et à ses chefs et de montrer par votre calme votre détermination. » Activistes et gaullistes ont créé un comité de salut public. Président, général Jacques Massu. Les gaullistes voient poindre la victoire. Ils rédigent le communiqué numéro 1. Le comité de salut public supplie le général de Gaulle de vouloir bien rompre le silence en s'adressant au pays en vue de la formation du gouvernement de salut public qui seul peut sauver l'Algérie de l'abandon. Les activistes sont floués. Au balcon historique du GG, le général Salan termine sa harangue à la foule qui l'acclame par un sonore « Vive de Gaulle !» Sous l'influence de l'armée, les Européens d'Algérie changent d'attitude. Après avoir repoussé quelques semaines auparavant le principe même du collège unique, ils amorcent une politique de rapprochement avec les musulmans que les militaires poussent sur le forum. Un enthousiasme extraordinaire accueille les premiers groupes d'Algériens qui rejoignent les manifestants européens. Vous avez bien mérité d'être les premiers montagnards reçus dans la capitale de l'Algérie. Pour une France rénovée et son armée qui est et qui demeurera l'élément moteur de cette rénovation. Vive l'Algérie française! $55 millions de Français de Dunkerque à Tamanrasset. Est-ce là la fraternisation? Jacques Soustelle, qui a échappé à la surveillance de la police parisienne, arrive à temps pour participer au triomphe du grand projet qu'Alger avait toujours refusé jusque-là, l'intégration. Avec sa splendeur, avec son rayonnement, nous rentrerons tous en France et je tiens à vous dire que l'Algérie restera française et que la France sera plus grande encore. Mes chers amis, nous célébrons aujourd'hui un acte significatif qui est la désignation du comité de salut public de l'Algérie et du Sahara, émanation de tout le mouvement de salut public de l'ensemble de cet immense territoire. L'élection ce matin de ces deux présidents, mes amis le docteur Sidkara et le général Massu, est encore une preuve de l'union indissoluble de la population et de l'armée. Bonjour et vive la France, mon général de Gaulle, soyez le bienvenu, après voilà 12 ans, garçons et filles, pelotons, escadrilles, se rallient à votre commandant, nous sommes tous présents, têtes brûlées d'Afrique, résistants d'avant-hier et soldats d'aujourd'hui, pour crier avec vous, vive la République, et qui pourra défaire le sang qui nous unit.
non, l'allait redire, dire non, la la, avec l'Algérie française, avec Massu et Salon. Dire, dire non, l'allait redire, dire non, la la, avec l'Algérie française, avec Massu et Salon.